Pour sa seconde édition, la Yota XP, cette course d'un genre nouveau, a encore une fois pris ses quartiers à Vichy. Une occasion unique de voir s'affronter toutes les composantes de la grande famille des sports enchaînés. Triathlètes de courte et de longue distance ou encore swimrunner, ils sont tous là pour partager une compétition festive sur les bords de l'Allier. Un départ toutes les heures, 1 km de natation, 8 km de course à pied à refaire jusqu'à 5 fois, avec une barrière horaire baissant de 5 minutes à chaque manche. Voici les ingrédients de ce rendez-vous un peu fond. Alors la Yota XP, c'est une course qu'on a inventée avec mon coach, qu'on a pensé, suite à un challenge qu'on se faisait entre nous. 1000 mètres de natation, 8 km à pied, 2 fois. Je suis un meilleur coureur, il y a un meilleur nageur, donc on se challengeait. Et puis sur le vélo, un petit entraînement de vélo, en avril l'année dernière, on s'est dit, et si on faisait un petit challenge? Mon coach me dit ça. Et je lui dis non, en fait on va voir grand, il ne faut pas faire ça. J'ai tout de suite imaginé quelque chose de fun, de gamer, et je la voyais, je l'imaginais sur ce vélo-là, juste après que mon coach m'ait dit, tiens, notre challenge, si on en faisait une course. C'est parti vraiment de cette idée. Alors la variété, oui, des athlètes était complètement voulue, parce que le fait de faire 1000 mètres finalement de natation, c'est long et court, puis 8 km, donc ça c'est fait pour les gens qui font du rythme, mais le fait de répéter, c'est fait pour les gens qui font du long. Si on regarde l'édition de l'année dernière, les mecs du court, ils ont gagné, hein, avec Pierre Lecor et Wilkinson, ils sont arrivés, ils ont battu ceux du long, mais du coup, il y avait aussi ceux du long qui étaient 3e, 4e, 5e, donc je pense que c'est vraiment à la forme du jour. Et alors, en plus d'être organisateur, en effet, je participe, j'aime ça, je suis un passionné, j'espère faire minimum 3 tours, et si je suis en forme, peut-être 4. Mais bon, voilà, c'est fun. C'est ce qui est plaisant aussi dans cette course, c'est que les amateurs comme moi, bah, sur 1, 2, 3 tours, on peut être avec les super pros, les élites. Donc voilà, c'est vraiment fun. Mais je vais prendre un plaisir de dingue. Et parmi ces triathlètes élites, il y aura Denis Chevreau. Le double champion d'Europe Ironman en titre est actuellement dans la forme de sa vie. C'est dans le cadre de sa préparation des championnats du monde Ironman qu'il incorpore la Yota XP, qu'il avait terminé à la 5e place en 2022. Alors, j'ai commencé la natation très tôt, j'avais 6 ans. Et donc après, j'ai continué, j'ai appris à aimer ça, le goût de l'effort, les séances. Donc j'ai fait sport-études natation de la 6e jusqu'à la fin de mon DUT. Donc j'étais pas bon, j'étais pas mauvais, j'étais un nageur moyen, j'ai pas de qualité aquatique. Je pense que j'étais fait pour courir biomécaniquement. J'ai un niveau assez régulier dans les trois disciplines, mais là où je suis le plus fort maintenant, c'est en course à pied. Parce que le vélo, c'est là où je suis un peu en dessous par rapport à la natation et à la course à pied. Pour moi, c'est bien la Yota. C'est peut-être même pas assez long dans le sens où il n'y a que 5 km de natation au final et 40 km à pied. Denis, il a tout ce qu'il faut pour être performant à la Yota. Quand on regarde effectivement passer de nageur, il court très très vite sur Ironman. Après, courir très très vite après le vélo par rapport aux autres ou courir très très vite sans vélo, c'est déjà pas la même chose. C'est vrai qu'il a les championnats du monde à Nice à préparer. Donc je t'avoue que je sais pas qui c'est son entraîneur, mais il l'a pas ménagé avant la Yota. Donc il sera pas au top de sa fraîcheur. Il faut faire des choix dans un calendrier, des pics de forme, on ne peut pas en avoir 10. Mais l'an dernier, il a fait une belle place, donc on verra. Mais oui, il a tout ce qu'il faut pour, en tout cas, être sur le podium de cette course. Bah, je trouve ça intéressant parce que déjà, nous, ça nous change de notre routine et on va affronter des gars du court distance, du swimrun. Et il n'y a que sur cette compétition, la Yota, qu'on peut être tous performants et s'affronter. L'intérêt, c'est que tout est centralisé. Il n'y a pas besoin de prendre la voiture pour aller se mettre sur un point du parcours vélo, revenir, voilà, on pose la voiture le matin, les athlètes font leurs courses, les familles vivent leur journée. Puis c'est Vichy, c'est une très belle ville. Donc ouais, je pense que c'est une très belle expérience. Son truc à elle, c'est plutôt le format 70.3 option natation. Julie Yemolo est de retour sur la Yota après sa 5e place acquise en 2022. Forte de cette expérience, la membre de la team Yota espère bien tirer son épingle du jeu cette année. Alors pour moi, la Yota, du coup, de l'avancer l'an dernier, ça s'est pas passé exactement comme j'imaginais. Moi, je pensais qu'avec le kilométrage qu'on allait accumuler sur les 5 manches, la vitesse serait moins élevée, que tout le monde serait un peu plus en gestion. Et au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé l'an dernier. Tout le monde a été très offensif, beaucoup plus rapide, parce qu'en fait, c'était pas 40 km d'un coup, c'était des manches de 8 km, 5 fois. Et donc du coup, ça se courait plus vite que si on avait fait 40 d'un coup. Donc ça m'a surpris un peu au niveau de la vitesse que ça demandait l'an dernier. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, dans ma prépa cette année, j'ai axé les choses sur avoir la caisse, avoir de quoi tenir les 5 manches. Parce que l'année dernière, tout le monde l'a senti, je pense, après la 4e et la 5e, ça commence à être vraiment dur. Et en plus, à chaque fois, il faut accélérer parce qu'il y a des temps de qualif qui sont régressifs.
faut aller 5 minutes à chaque manche, il faut être 5 minutes plus rapide pour se qualifier à la suivante. Donc il y a un mix de, il faut se dépêcher parce qu'il faut se qualifier, et c'est super dur parce qu'on a déjà fait plusieurs manches, donc on est fatigué. Donc ouais, il y a ce genre de stress un peu en permanence, on va dire, de lutter contre le chrono. Et en plus, là, le parcours cette année, il a été modifié sur la course à pied pour qu'on reste encore plus proche de la zone d'arrivée, de l'expo et du public. Donc je pense qu'au niveau de l'ambiance, ça va être encore mieux que l'an dernier. Déjà, on le sentait hein, quand on se rapprochait de l'aire d'arrivée qui était en U et tout ça, il y avait une ambiance de fou. Donc je pense qu'on sentira peut-être un peu moins la douleur avec cette ambiance un peu exceptionnelle qu'il y a au niveau du site de course, parce que là, avec un parcours encore plus restreint en termes de taille qui prend, ça va être vraiment bien. C'est enfin l'heure du départ. Le soleil est au rendez-vous, les visages sont souriants. Jusqu'ici, tout va bien. D'autant plus que la température élevée de l'Allier va permettre aux concurrents de nager sans combinaison. Une donnée loin d'être anodine. C'est très bien. En tout cas, pour les bons nageurs, c'est toujours avantageux parce que ça permet de faire un petit peu plus d'écart. Disons que d'habitude, quand il y a la combinée au prenne, ça permet à ceux qui nagent un peu moins bien de limiter la casse. Ça sera aussi plus facile pour tout le monde en termes de transition parce que c'était quand même assez compliqué l'année dernière, entre chaque manche, de réenfiler la combi. Donc, c'est pratique et mieux pour moi. Je suis contente qu'il n'y ait pas de combinaison parce que déjà, je voulais pas nager moins en combinaison. Alors pour moi, c'est parfait. Moi, je suis contente. Chez les femmes, alors que le public se masse pour assister au départ, on constate dès la mise à l'eau qu'un quatuor se forme pour mener la course. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du beau monde dans ce groupe de tête. La Suissesse Yolanda Hanen, la Slovaque Ivana Kuriakova et les deux Françaises Christelle Congy et Margot Garabedian, la vainqueur de la première édition de la IOTA XP. Aucune d'entre elles n'arrivera à se détacher et c'est dans la même poignée de secondes qu'elles finiront cette première manche sous forme de round d'observation. Et alors que l'on s'apprête à donner le départ de cette première manche chez les hommes, l'ambiance est encore très décontractée. Alors jusqu'ici tout va bien, mais on n'a pas encore commencé. Le plus dur est à venir. Ce sympathique Australien, c'est Marcel Walkington, triathlète et coureur de courte distance, vivant à Barcelone. Il était le dauphin de Pierre Lecor, ici, en 2022. Et alors que les hommes s'élancent à leur tour dans l'Allier, ils visent forcément une meilleure place cette année. On peut traverser les premières manches sans trop de problèmes, mais de toute façon, on finit par être atteint forcément. Le plus dur, c'est d'accepter la fatigue qui va te tomber dessus. Et tu te sens vraiment très mal pendant la quatrième manche, et c'est encore pire pour la cinquième. En fait, il faut être préparé à continuer à avancer. Cette première manche, c'est l'occasion pour chacun des participants d'affiner sa stratégie, mais aussi d'observer ses adversaires. Et à ce petit jeu-là, on n'est pas déçu. C'est l'occasion notamment de croiser des visages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, comme Hugo Tormento, le champion du monde de swimrun en titre. Les grosses différences qu'on va avoir entre le swimrun et la IOTA, pour nous swimrunners, c'est premièrement déjà le matériel. On part avec notre matériel, on finit avec notre matériel. On n'a pas de zone de transition, donc il va falloir qu'on appréhende cette petite partie parce qu'ici, on va nager sans les chaussures et on va courir sans les plaquettes, le pool boy et la combi. Donc ça, il va falloir qu'on gère cette petite partie de transition qui peut être une bonne partie de stress où les triathlètes vont être bien plus forts que nous et pouvoir créer des gaps. Et en plus de ça aussi, les chaussures, c'est des chaussures de route. On est sur un terrain plat. Nous, on court en trail. On court un peu en orientation. Donc là, c'est un chemin tout bien guidé, tout bien lisse. Et oui, il n'y a qu'à aller tout droit et suivre les flèches. Donc ça va être les deux grosses différences pour nous par rapport à ce qu'on peut faire en ce moment. Hugo Tormento se classe deuxième, 43 secondes derrière le Hollandais Menno Koolhaas, qui paraît facile. Mais ce n'est que la première manche et l'heure est encore au sourire pour les concurrents qui vont maintenant pouvoir se restaurer, se faire dorloter ou tout simplement papoter entre eux. Pas plus que 4. Non, c'est encore 4. Ouais. C'est parti encore plus vite que l'an dernier. Moi aussi, mais bon, je suis encore loin de la tête. Bon, on verra. Parce que c'est vraiment parti fort cette année. Et... je crois qu'il fait plus chaud que l'an dernier, donc on verra. Je suis parti beaucoup trop fort. Je me suis laissé... déjà, je suis parti beaucoup moins fort que d'autres, mais ouais, ça va être long, ça va être long. J'ai l'habitude d'avoir des transitions un peu plus rapides, mais là, c'est vrai que avec un petit coca et voilà,
C'est pas mal aussi. C'était un premier tour intéressant. Comme prévu, les premiers sont allés très vite, mais c'est plus facile d'aller vite sur la première manche. On verra plus tard. Je me sens bien, mais c'est vraiment rapide comme manche. Maintenant, on mange, on se relaxe, et il reste encore 4 manches. Il y a 5 tours, donc il faut essayer de préserver la bête le temps possible. Et on essaie de calmer un peu, pas rester trop en statique, en appui sur les jambes. Mais c'est plutôt tranquille en l'air. Il en reste encore 4, on va essayer de faire au mieux jusqu'à la fin. Mais après ce petit temps de pause, il est déjà l'heure de retourner au combat. Bis repetita chez les féminines, avec les 4 mêmes filles qui se détachent dans la seconde manche. Ce TGV à 4 têtes est l'emplacement idéal pour qui vise la victoire finale. Alors on pense forcément à Margot Garabédian à l'affût pour réitérer sa victoire de 2022. L'année dernière, j'ai essayé de partir force directement sur la première manche et de voir ce que ça donnait. Ça a marché et ça a tenu jusqu'au bout. J'ai souvenir surtout d'avoir été portée par la foule et l'ambiance de folie et une organisation au top. Cette année, je ne pense pas que ça soit aussi simple. D'un point de vue personnel, j'ai eu des petits soucis de santé. Pour finir, je me suis ouvert le pied il y a une petite semaine, donc on va dire que c'est déjà une victoire d'être là et je suis très contente d'être là. Ouais. Elle est là et bien là, Margot, au sein de ce groupe qui va passer la ligne d'arrivée, encore une fois groupée, une tête de course féminine uniquement constituée de triathlètes. Chez les hommes, par contre, les swimrunners sont bien au rendez-vous. Non seulement Hugo Tormento martyrise tout le monde dans l'eau, mais le vice-champion du monde, le Breton William Even, qui commence également à se montrer en triathlon longue distance, fait admirer sa pointe de vitesse sur la partie course à pied. En regardant la Starlist, c'est vrai que les swimrunners peuvent jouer leur carte par rapport aux triathlètes. C'est vrai qu'enlever le vélo pour les triathlètes, c'est un plus pour nous, parce que le vélo, ça demande des heures d'entraînement, des années aussi. Et c'est quelque chose que je viens de débuter en commençant un peu le triathlon. Et c'est vrai qu'on arrive sur ce format de la IOTA sans le vélo, et c'est un plus pour les swimrunners. Ça, c'est clair, comparé aux triathlètes. Et c'est vrai que les triathlètes n'ont pas l'habitude de faire que nager, courir avec cet enchaînement. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à ces derniers jours. Je me suis dit partir vite, observer et tout. Donc, je me suis dit de faire ma course, de prendre les pieds, si possible, de devant. Donc, je sais très bien que Hugo sera devant. Et après, c'est de courir très fort. Ma stratégie, c'est vraiment de courir fort. J'ai énormément progressé, je me suis énormément entraîné. Je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses sur cette course à pied. Mais à l'arrivée, c'est encore le Hollandais Menno Koolhaas qui devance les deux compères swimrunners William Even et Hugo Tormento. Aurélien Raphaël et Marcel Wolkington, toujours présents, ne se laissent pas distancer. Ils savent que la route vers la victoire est encore longue. Longue de 3 manches exactement. Just three more to go, so... Plus que 3 manches à faire. Celle-ci m'a marqué davantage que la première, mais maintenant au moins je peux contrôler un petit peu. Je n'ai plus besoin de tout donner, et puis les manches vont être de moins en moins rapides. Mais c'est surtout dans la tête que ça va se passer. Toujours au taquet, mais ça va commencer à être dur. Je me dis qu'on n'a pas fait la moitié, ça va être long. Mais on va se faire plaisir. Bon, voilà, mais on est tous pareils. On adore la compète. C'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est maintenant que tout se joue. La troisième manche, le point de pivot entre l'entame agréable de la course et l'enfer que s'apprêtent à vivre les concurrents. Cette troisième manche devra être bouclée en 50 minutes pour les hommes et 55 pour les femmes afin d'accéder à la manche suivante. Les organismes commencent à souffrir et il n'est pas étonnant de voir des écarts se creuser, chez les femmes notamment. Si notre groupe de 4 se place encore une fois à l'avant de la course, Margot Garabédian est la première à sauter, suivie ensuite par Ivana Kuryakova. La Suissesse Yolanda Hannen s'impose au sprint de 10 secondes devant Christelle Congy. Mais derrière, la casse est tangible. Plus 1 minute 8 pour Kuryakova et plus 2 minutes 41 pour Margot Garabédian. Bah ouais, ça a lâché un petit peu derrière. Donc là, on a commencé à creuser les écarts. Après, bah, y a rien qui est joué. Il reste encore 2 tours.
Oh, ça va, hein, je vais pas dire que je suis encore fraîche, mais ouais, ça va. Je suis partie un peu au feeling, j'ai essayé de profiter des filles au début, voilà, je savais que ça commencerait à un moment donné. Et on va essayer de finir comme on peut et puis voilà. Pour l'instant ça s'est bien passé, on verra. Après ça devient déjà un peu plus dur. Ça va assez vite, je pense que ça va beaucoup plus vite que l'année dernière. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Côté messieurs, cette troisième manche change encore la donne. Pas pour la tête de course car Meno Koulas semble intouchable aujourd'hui. Mais derrière, ce sont les triathlètes qui se révoltent devant l'insolente réussite des swimrunners. Il y a Aurélien Raphaël qui retrouve sa pointe de vitesse. Marcel Walkington aussi revient sur la tête de course. Il termine troisième de la manche devant Denis Chevreau qui commence à trouver ses marques à mesure que la distance s'allonge. Les temps de pause entre chaque manche, alors qu'ils sont de plus en plus longs, semblent se réduire comme peau de chagrin tant la récupération devient difficile. Ah, plus dur la troisième manche. Début des crampes, il va falloir gérer ça. Là, ça a été très vite, ça a revenu vite de l'arrière. Ça commence à être dur. Maintenant, faut s'accrocher, faut serrer les dents. Mais bon, j'espère que je suis pas le seul dans cette phase-là. Ah, je sais pas, j'ai eu un petit regain d'énergie, alors j'en ai profité. Après, c'était la troisième étape sur 5, donc on verra à quel prix. Je me suis dit, je suis bien, donc je vais essayer de prendre grappier quelques secondes. Mais en espérant que voilà, je n'ai pas été trop loin. Qu'il me reste des forces pour la quatrième et la cinquième. On va essayer de continuer comme ça. On va voir, il y a encore des choses à faire. Koulas, on va pas en parler quand même. Le mec est incroyable. T'as l'impression qu'il est en train de se balader dans son jardin. Là. C'est incroyable. Après, derrière, il y a une belle bataille. Aurélien qui en a remis un bon coup là. Marcel qui revient fort. Denis qui est en train de revenir aussi. Donc c'est cool, c'est vachement... C'est galvanisant cette course, c'est énorme. Franchement, c'est horrible. Je vais pas le mentir. C'est dur. C'est dur avec la chaleur, avec la distance, avec tout. Mais ouais, un moment dingue pour l'instant. Vivement la suite, on va voir comment ça se passe. Ouais, c'est cool. Ça commence à être marrant de voir comment ça se passe là, parce que... Tout le monde est fatigué, donc il va y avoir des écarts dans tous les sens, ça va voler un peu en éclat, je pense, donc j'espère pas être de cela. C'est maintenant l'heure de la quatrième manche. Il faudra, pour passer cette avant-dernière manche, arriver sous les 50 minutes pour les femmes et sous les 45 minutes pour les hommes. Cette manche, c'est le juge de paix. C'est ici que la grande majorité des amateurs restants s'arrêtera. Et c'est aussi une épreuve pour ceux et celles qui, toujours en course, sont désormais trop loin du podium pour espérer faire un résultat. Mais ce n'est évidemment pas ce qui va arrêter Manon Genet pour son retour à la compétition après un douloureux accident de vélo au mois d'avril dernier qui lui aura valu une clavicule cassée. La deuxième de la Yota XP 2022 entend suivre le rythme et surtout se faire plaisir sur cette compétition qu'elle apprécie particulièrement. Moi, j'ai adoré la Yota l'année dernière quand j'ai participé. J'ai vraiment adoré le format, le concept, l'ambiance aussi. Je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde, autant en termes de distance que de challenge. Il y a plusieurs formats et j'avais hâte de retrouver l'ambiance de cette course qui est vraiment particulière, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mon entraîneur, il me dit toujours qu'il faut désadapter le corps pour qu'il s'adapte encore mieux à ce que tu sais faire. Et en fait, je pense que la Yota, c'est typiquement ce genre de challenge. On désadapte, on perturbe un petit peu les transitions, les habitudes, les réflexes. On les perturbe et je pense qu'on apprend énormément en fait sur un sport qui reste un sport à transition, un multisport. Et ça nous sert forcément pour le triathlon. Donc j'aime beaucoup et je trouve que c'est très intéressant. Encore une fois, c'est la Suissesse Jolanda Hannen et le Hollandais Meno Koulas qui s'imposent dans leurs catégories respectives. Et on voit très mal comment ils pourraient être inquiétés tant ils ont l'air en forme. Par contre, en ce qui concerne les places d'honneur, tout est jouable. La bataille entre triathlètes et swimrunners est âpre chez les hommes, tandis que chez les femmes, Margot Garabedian, Christelle Congy et Ivana Kuryakova se tiennent en une poignée de secondes. «
En dehors des podiums, cette quatrième manche or a fait de la casse. Exit Cyril Viennot, mais aussi Denis Chevreau qui termine dans les temps, mais préfère abandonner car sa cheville qui a tourné sur une racine le fait souffrir. C'était une belle journée, on a eu le soleil, il y a toujours des spectateurs et je vais aller rejoindre la finish line pour profiter de l'arrivée des derniers participants. Exit aussi Julie Yemolo qui a ressenti une douleur à la cuisse et a préféré jouer la carte de la prudence. En fait, j'ai décidé d'abandonner là à la quatrième manche. En fait, j'ai commencé à avoir une douleur dans l'ischio à partir de la deuxième manche. Au début, je me suis dit, allez, on va voir comment ça évolue, je vais faire avec. Et puis, j'ai essayé de me faire masser entre la deuxième et troisième manche, ça n'a pas changé grand-chose. Et sur la troisième, ça a vraiment commencé à empirer. Et ça m'inquiète un petit peu parce que j'ai pas envie de me blesser. Et pour la suite de la saison, je pense que c'était plus prudent d'arrêter là. Donc je suis un peu déçue parce que j'avais envie de faire quelque chose de bien, mais je me dis que c'est plus raisonnable de ne pas se faire une blessure parce qu'il reste encore pas mal de courses importantes. Donc voilà, je préfère préserver la suite, mais je suis quand même super contente d'avoir été là parce que c'est une très belle orga. Donc je suis contente d'avoir été là un bout de l'épreuve. Fin de parcours également pour Sacha Rosenthal. Le créateur de la IOTA boucle la quatrième manche, mais ne termine pas dans le temps imparti pour pouvoir s'engager sur l'ultime épreuve. Comme pour de nombreux amateurs, tout le plaisir du concept IOTA est de réussir à passer les tours les uns après les autres au meilleur de ses capacités, s'illustrant à chaque tour en compagnie des meilleurs mondiaux. Car créateur de la IOTA ou pas, la terrible loi du cut-off est la même pour tous. Ah écoute, ça s'est super bien passé, je suis ravi, je suis vraiment content. J'étais pas sûr d'être au quatrième. Et puis je vois deuxième, ça passe bien, 49. Je me dis ça doit passer. Et du coup le stress est monté que là. Il n'est pas monté avant. Et je me suis mis le stress, j'ai raté ma natation. Donc j'ai dû me mettre à bloc et c'est passé. Donc j'étais ravi. Ah, je suis vraiment ravi. Donc tout s'est bien passé, puis tout le monde était heureux. J'ai parlé avec les gens sur les boucles et tout le monde était heureux. À l'image de Sacha Rosenthal, ils sont plusieurs centaines d'amateurs à avoir tenté de passer un maximum de tours lors de cette édition 2023 de la IOTA XP. C'est enfin le départ de la cinquième et dernière manche. Les organismes sont fatigués, mais la situation est simple. Les temps des quatre premières manches sont additionnés et chaque concurrent partira dans l'ordre du classement général en tenant compte des écarts chronométriques à la seconde près. La IOTA XP passe donc pour ce dernier tour en mode poursuite. Il n'y a plus de calcul à faire, plus de nécessité de passer le cut-off pour se qualifier. Il faut revenir coûte que coûte sur le concurrent que l'on aperçoit dans sa ligne de mire. L'ordre d'arrivée de cette manche sera celui du classement général. Les leaders hommes et femmes ont tellement bien géré leurs quatre premières manches qu'ils se retrouvent en contrôle. Il leur suffit simplement de garder un rythme régulier pour l'emporter. Mais pour les places d'honneur, tout est encore à faire. Chez les femmes, derrière Yolanda Hanen, c'est Christelle Congy qui termine deuxième. Ivana Kuryakova prend, elle, la troisième place. Sur les deux premières manches, j'ai juste cherché à rester avec les autres filles. Je me sentais bien sur la natation, mais je n'étais pas certaine de suivre sur la course à pied. Et puis je me suis senti mieux au cours de la deuxième manche et j'ai essayé de pousser lors de la troisième. Et ça s'est très bien passé pour moi. À la troisième manche, c'était à l'instinct. Je n'étais pas sûr que ce soit une bonne idée, mais ça s'est bien terminé. Chez les hommes, Meno Koulas, toujours aussi frais, s'envole vers le titre. Derrière lui, Hugo Tormento réussit une natation extraordinaire, dépassant plusieurs adversaires pour sortir de l'eau en seconde position. Mais les écarts minimes et la fatigue de cette dernière manche auront raison de ses espoirs de podium. C'est finalement Marcel Walkington qui grimpe sur la seconde marche de ce podium devant William Even, tout heureux de cette première expérience sur la IOTA XP. C'était vraiment très beau et aussi très dur, mais c'était une course magnifique, difficile physiquement et mentalement. J'ai réussi à faire 5 manches de bonne facture, je suis très content de cette victoire. C'était agréable d'avoir suffisamment d'avance pour prendre le temps de célébrer avec le public. C'était vraiment super. Difficile à décrire, extraordinaire, quoi. C'était vraiment une super journée. Elle avait pas trop mal débuté sur la première manche, la deuxième aussi, où je finis deuxième de la manche.
très compliqué sur la troisième manche où je me suis fait très peur en finissant septième et très loin de ce qui s'est passé devant. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. Et en fait, la quatrième, j'ai réussi à rebondir. Je me suis placé troisième en tout. Et je suis parti en troisième position pour la poursuite. Et la cinquième manche s'est bien déroulée aussi. Donc, c'était une super journée. J'aimerais que toutes les courses se passent comme ça. Rideau de fin sur cette seconde édition de l'IOTA, une course d'un genre nouveau qui trouve son public et même ses publics. Car en plus de l'IOTA XP dont nous vous avons parlé, l'événement comprenait l'IOTA XPS avec ses distances deux fois plus courtes pour permettre de découvrir l'univers IOTA de façon plus accessible, ainsi qu'une version relais de cette IOTA XPS pour ceux qui ont l'esprit d'équipe. Pour tout renseignement ou pour préparer votre participation à l'édition 2024 de l'IOTA XP ou XPS, rendez-vous sur www.iotaxp.com.